Alors, c'est votre groupe d'aventuriers préféré qui est de retour. On a fini de faire le tour du propriétaire pour récupérer ce qui était récupérable et on s'apprêtait à rentrer dans une pièce toute sombre. Personne n'est mort. Et pour l'instant. Pendant ce temps-là, Katox me bourre le groin. Puisque t'es malin, Katox, vas-y, passe devant. Oh, y'a un journal intime. Ouais, moi je vais piller les commodes. Hein. Ah, la chambre d'Isobel, c'était la personne qui avait les rayons dont tu parlais tout à l'heure là. Voir la pause. Oh, amulette de Célunite. Ah, ça vaut de la thune. Et la robe, ouais. Elle est jaune. 20 balles. Allez, vas-y, paf, je prends la robe. Ok, d'accord. Robe de Célunite. Je t'envoie aussi l'amulette. Hein. J'ai même pas eu le temps de la regarder, paf. Elle avait disparu dans ton inventaire. Et bah, regarde, paf, elle est apparue dans ton inventaire. C'est trop gentil. Ah, le fusil. Sandales aérées. Allez hop, je prends ces sandales. Ah, elle a une meilleure classe d'armure. Ah oui, c'est l'armure légère. Elle a un livre. Mais il est rouge. Ah, si tu le caches, peut-être que ça peut passer. Attends, regarde, je fais comme ça. Voilà, personne te verra jamais. Bah, faudrait peut-être que Arda tu lises. C'est. Il est où le livre? Sur la table. Alors à côté de toi, du coup, faut que j'y aille. Journal intime d'Isobel. J'arrive, Katox. Oh yeah. Il y a comme une souillure en moi. Je la sens dans mes poumons et je ne peux pas m'en débarrasser, elle ne me quittera jamais. Cette morte qui empeste mes entrailles. Il y a des choses que même la Vierge Lunaire ne peut pas guérir, de ces choses qu'elle n'accepterait jamais chez ses propres fidèles. Je n'aurais jamais dû revenir. C'est tout, monsieur. J'ai l'impression que t'as besoin d'aide pour te lancer. Allez. Ah bah non. Ah mais non. Ok, et bah on a fait le tour, je crois. On peut aller parler à la brave dame. À la Isobel en question. Allez, cachez où? Non, c'est pas possible. Hein, quoi? Pourquoi se cacher? Arda, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'en vas? Mais elle est. Je sais pas où elle est, Isobel. Mais elle est sur le balcon là. Elle est à 2 mètres de toi. Ah oui, elle a. Ok, bon bah Katox, vas-y. Eh oh, eh oh. Respect des petites personnes. Bah ouais, c'est ça. Bonjour. Ouh, mais quelle belle lance. Ah ouais. Oh. Ah, elle est vraiment stylée. Moi je la. Super déçu, je pense. Par contre, il déconne avec son mascara, quoi. Oui, bon, d'accord. Elle sait pas se maquiller, mais. Bah, c'est les tatouages au bord des yeux. Eh, hey, c'est la lune d'Ixium qui a explosé. Ouais, elle a un peu plus en un seul morceau. Mais c'était pas mal, ce coup. Ouais, je l'ai pas acheté, mais je pense que je voudrais que je me le fasse. Ah, donc c'est elle qui maintient la barrière autour. J'aime bien son arme. Ouais, elle est jolie, mais c'est celle qu'on a récupérée justement. Ouais, j'ai chopé son armure de rechange. Oups. The true soul who's going to save us all. I'm Isobel. Pleased to meet you. Ah, son armure est trop belle. Ouais, j'aime bien la deuxième, ouais. Bully for us. We've been waiting, hoping against hope, for someone like you. Free from the Absolute's influence, yet able to walk among cultists. It's almost too good to be true. But I'd be a poor cleric indeed not to avail of a blessing when I see one. Let me guess, Jahir has sent you to beg a protection spell off her favorite cleric. Perfect. It'll make you immune to the lesser effects of the Shadow Curse, which will get you closer to the towers. It won't be enough to protect you against the areas of utter darkness, though, where the curse is strongest. This lantern should, though. Woo! Wow! Wow! Y a-t-il autre chose que je devrais savoir avant de partir? There is, actually. Rendez-moi ma robe. Wait.
Do you hear that? Something's wrong. What? What? On est en combat avec toi. Là. Non, c'est pas là. Il est rouge. Non, c'est des pierres. Et il a lancé le dialogue. Ah. Hello, Isabel. Marcus, is that you? What's happened to you? Oh, mais stylé. I've been blessed. You can be too. Come with me. And you can hear all about it from Ketherick himself. He's a flaming fist. Or was. Came with the others when we created this haven. And I thank you for your hospitality. True soul, my instructions are clear. Take the girl to Ketherick alive. Ouais, vas-y, sonde, sonde. Universe, prepare Uranus. Voilà, c'est tout. Allez, boum, bouillard. 20, allez. A haunting face swims into your mind's eye, its instructions vivid in your mind. Nothing is more important than bringing the girl alive. Ouais. What's going on? If you have something to say, say it. Moi, je dis... Pathetic. Tu dis rien. Your treachery will be punished. The absolute. Of course. You can't believe them, Marcus. Ketherick will never give you whatever it is you've been promised. Ah, l'absolu, ça fait donc Ketherick. Time to go, Isabel. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il me faut invocation, c'est ça? Mais qu'est-ce qu'il s'est mis enfin? C'est que ce méchant. Qu'est-ce qu'il s'est mis? Non, pas ce type là! Mais non, c'est super. Ouh, quel bel trick! De matrix de matraque! Oh là là! Oh. Il a essayé de passer, il a joué avant moi! Oh! Ouais, on est surpris! Bon, c'est bon? Il a pas mal de PV le garçon! Ouais, ouais, il a pas mal de PV jusqu'à ce qu'il en ait plus! On a défoncé un arbre qui avait plus de PV que ça. T'inquiète, il a pas mal de PV jusqu'à ce qu'il en ait beaucoup. Voilà, allez hop. Maintenant, pour lui. Histoire de. Je pourrais lui mettre un petit coup de poignée électrique, juste histoire de faire mes muses. Ouais, vas-y. Moi j'ai une action search, mais je sais pas si. Le mec il avait 120 PV, il en a plus de 40. T'as cru, on l'a défoncé, putain. T'y vas ou j'y vais? Priorité à droite, comment ça se passe? Ah, moi je peux plus jouer, hein, j'ai joué déjà. Ah, d'accord, ok. Ah non! Allez! Oh! Ah ouais, elle y va comme ça quoi! Elle a pété toutes les fournitures quoi! Blood comes easy these days. Ah, c'est toi qui joue de la musique là, tout le monde! Oui! J'ai découvert que je pouvais faire chier de prendre avec ça, c'est le monde qui peut jouer! Bon, je tente de le terminer ou pas? Oh oui, monsieur. En même temps, je peux pas le terminer donc. Monsieur. Non. Regarde. Je fais le maximum de dégâts là. Des avantages, ok, bon d'accord. Voir une Isobel vivante, il lui a marre à plein. Là. Well. Ok. Je vais reroll Warlock, j'en ai plein le cul. Je vais reroll Warlocks. Voilà. Ah ouais. Je vais faire des Eldritch Blast à ne plus savoir quoi en foutre.
Il y a toujours temps. Là, je sais. Franchement, j'hésite, mais je pourrais plus jouer de la musique, donc je serais déçu. Faudrait que je prenne le perf. Ah, bah, il s'est pété la gueule. Bah, ça, tu prends un feat pour pouvoir jouer du flûte. Ça fait quand même cher un feat pour une connerie pareille, quoi. Ah, bah. Oh, bah. Mais c'est bien, ils viennent nous voir. Ah. Par contre, ils sont quasiment tous. Ils sont quasiment tous aveuglés, tu vois. Ouais, regarde, y'en a un qui est mort. Si tu appuies l'attaque de proximité. Bon, si tu les entends bien, que je vois à travers le plancher, ça me saoule. Hein. Ouais, c'est que l'action se fait en dessous, donc. Et pourquoi moi? C'est un peu tout le monde. Là. Qu'est-ce que tu fais? Tu le tues, je viens et j'attaque les autres. Alors moi, je vais faire un petit chatter là, je pense, histoire de. Ah bah non, il y a. Mais je suis là. Il y a la Isobel sur le trajet aussi, il lui reste pas grand chose comme PV. Il est où, Jack? Il a fait. Pourquoi je le vois pas? Il est où? Il est dans Arda. Alors moi, je peux lui taper dessus si jamais je l'ai en visu là. Attends, vas-y, j'y vais. Attends, il a plus petit PV. En vrai, je suis chaud de le tuer, comme ça j'ai une action de plus. Vas-y, si tu veux. Oula. Ça, c'est fait. Ah, il est à peu. Je t'avoue que les bottes qui. L'arc qui donne hâte, c'est la meilleure invention. C'est lequel que t'as? Je sais pas, j'ai trouvé ça chez un marteau. T'as terminé ton tour? Ah, c'est peut-être. Je laisse celui-là, hein. D'ailleurs. Oui, je vais probablement pouvoir l'achever si Katox l'achève pas. Allez, voilà. Après, il reste des copains de jeu en bas, je crois. Oui, c'est pour ça que je suis parti de la pièce pour aller aider les bottes. Oh, joli move ça! Ah, oh, c'est transformé en chaton. C'est le tour à Katox! Allez! Bien joué! Oh le cave! Non, 17, pas dégueu! Hein. Ouais. En vrai, tu devrais. En fait, t'aurais du multiclass genre rogue ou un truc comme ça, non? Bah, c'était une des idées, une des possibilités. Faut un jour que je me penche sérieusement sur le reroll parce que je crois que full menestrel. Mais en fait, il y a pas mal de buffs, mais je les sors quasiment jamais parce que soit j'oublie, soit en fait le combat est pas encore trop complexe pour que je buffe tout le monde. C'est vrai que les combats pour l'instant sont assez. Tu vois donc en fait je me dis autant faire partir sur un full offensif, faire un bon gros, allez limite un mix un peu warlock rogue comme ça. Tu vois. Et je Eldritch Blast sa mère. Bah franchement, Bard Warlock c'est pas bête, hein, vu que c'est du charisme dans les deux cas. Bah oui, mais c'est une possibilité aussi. D'aller rechercher un peu et de chercher le suffisamment de niveau pour avoir le Eldritch pimpé avec plein de dégâts. Bah après, même Paladin c'est charisme aussi, si je me trompe pas. Ouais. Ouais, mais Paladin c'est la force aussi. Ouais, c'est, oui, bah, Paladin c'est ça, force et consti aussi. Bon, ouais, après, il y a moyen. À réflexe actionné. Peut-être qu'à l'entre-deux épisodes, si on se quitte pas sur un gros cliffhanger. Pourquoi j'ai toujours à le dire cliffhanger, je dis hangover comme ça. J'ai des problèmes d'alcool. T'es belge. Ouais, voilà, c'est ça, t'es belge, t'as plus souvent l'habitude d'avoir la gueule de bois que. Nous, les Belges, on a une hospitalité sans nom. On a une hospitalisée à cause de l'alcool. Ouais, c'est un peu. Ben oui, mais c'est, voilà, c'est mon métier. Bien sachez parler, bien sachez écrire, c'est primordial. Ah putain, j'adore ça, sachez écrire. En un seul mot, ouais. Sachez écrire. Pour toi, t'es mort. Voilà. Qu'est-ce que tu mort? Il en reste un, non? Bah, j'ai hâte, en fait. J'ai hâte, du coup, je t'avoue. Allez, tu le finis. Allez. Level up! Je level up! Eh, j'ai level up, mais pas vous. Putain! Mais pourquoi le nain est. J'ai pas su. Ah, mais c'est parce qu'il se tape plus de. Il s'est tapé plus de points de. Allez. C'est points de. Ah! Trop bien! Regardez les classes supérieures là. Les êtres supérieurs.
You were the target, Isabel. They know how important you are, but they don't know about you. Ketherick will strike again. We need you to strike first. Cool. Ça a changé de discours depuis tout à l'heure. Allez, c'est qui Ketherick? Mais c'est l'absolu. C'était le... J'ai lu un papier qui disait que c'était le grand patron de la zone ici. C'est un des meilleurs persos, je trouve. Et c'est vrai? Ah ouais. Il a un flow de ouf. C'est nous qu'avons... Putain, c'est nous qu'avons... Oh, c'est français, ça aussi, hein. C'est nous qui l'avons. C'est nous qui l'avons. Il est devenu invincible. Il est immortel. Ouais. Et invincible. Ok, d'accord. Pratique. Does not return from the dead and becomes impervious to arrows out of nowhere. There is magic at work. Sans deck. C'est une flèche dans l'œil, il la retire comme si c'était rien n'était. Et d'ailleurs, de la magie dans l'air. Boy. Je sais pas à quelle école vous allez, mais elle a l'air super efficace. C'est Sherlock Holmes, là. I don't know why he's waiting. Why he's not marching his army west as we speak. But as long as he remains, there's still a chance. You are that chance. Pas de pression. By your artifact, you can infiltrate Moonrise Towers, posing as a true soul. Discover the source of his invulnerability. Make him mortal so we can make him bleed. Good luck. Ah, j'aime bien l'idée. We're in more danger than I knew. If something happens to me, everyone in this inn is dead. Like that. Ah, j'aime bien la première. Why does a man like him do anything? Power, spite, some kind of twisted personal morality. I can understand why he'd want me dead. Without me keeping the curse at bay, everyone in this inn, everyone intent on killing him, is dead too. As for why he'd want to take me alive, I don't know. And I don't want to find out. Now that we have you, I hope I won't have to. C'est là une petite phrase dont je me lasserai jamais. Good. Because your work here is only beginning. No mercy. For Ketherick will have none on you. End this. Allez, on va aller tuer des gens. Ouais, attendez, moi je passe mon level. Oh. Ah, ouais, ça va aller vite, je sais ce que je veux prendre. Très bien. Tu pisses ton level up, c'est ça que t'as dit? Ouais, je pisse. Il avait quoi le gars là-haut là? Comment ça, Marcus, on peut pas le looter, il est en rouge. Allez, battle maneuver. Eh, je peux... Je peux inspecter la lanterne lunaire. Est-ce que j'inspecte la lanterne lunaire? Bah oui. Allez. Parce que faut le voler. Je parle à une lanterne. Je vois des pavés. You notice a tiny pixie trapped within. Je suis en pleine conversation. Infamous for their trickery, sometimes playful, sometimes malicious. C'est bon, t'as réussi à le voler? Ouais. T'es content? Bah écoute, en vrai, ouais, il avait des trucs cool, hein. C'est pas clair. Ah bon? Bah c'est un truc qui globalement t'empêche de crever. Eh, hey, mais il y a une fée à l'intérieur de la lanterne bizarroïde. Oui. Ah, je peux gagner un sort d'invisibilité et de flou. Flou, c'est pas mal, ça te donne de l'acier, genre plutôt pas mal, ouais. Sachant que c'est des spells, rien, ça peut être pas mal. Ouais, mais plus un en arcane. De quoi? Oui, mais plus un en arcane et en religion, tu t'en sers pas. Bon, je peux tourner un mécanisme qui condamnerait la pixie, je peux fracasser la lanterne par terre, je peux libérer la pixie ou ne faire rien et j'ai besoin de cette lampe. T'as besoin de cette lampe? Bah non, je m'en fous, j'ai la masse.
Les masses paf. Moi je la libère. Ouais, on libère une petite. Au pire, c'est un agent du chaos et ça devient le bordel, c'est trop cool. Oui, sinon, nous on se trouve comme des glands dehors. J'ai été trapped in that coffin with no one but a mad rider and my own farts for company. Did me a good turn there, didn't you? What do I owe you? J'aurais bien décidé, mais ça doit être que ça se passe. Ah! Sure, I can. But will I? Yeah, sure, why not? Here, give this bell a shake. Speak the magic words, and you'll get what you've earned. Protection from the shadow curse. What more could a dingus want? You're welcome. Elle me fait peur. Ouais, moi je sens qu'elle va se retourner contre nous à un moment. Bon, allez, moi je vais vendre toutes les merdes que j'ai récupérées dans les tiroirs. Ah, d'accord, en fait je peux avoir la bénédiction quand je veux, grâce à la clochette. On a déjà été béni. De toute façon, on a la bénédiction de Célune. Les rayonnements de ciné protègent contre les plus faibles effets de la malédiction des ombres, mais méfiance, car même la lumière de la déesse ne constitue pas une protection suffisante contre les ombres les plus obscures. Ta 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 ta. Ah, mais on a fait un long rest, j'ai pas repris mon. J'étais là, c'est marrant, j'ai pas eu d'action en plus. Ici. La malédiction des ombres ne peut pas affecter cette créature car elle bénéficie de la magie protectrice d'un pixie. Voilà, ok, bah je pense qu'on est bien. Pourquoi tu m'as envoyé l'armure légère de Célunée? Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Bah, je sais pas. Avant là? Petite fashion week. Ah ouais. Mais moi je suis pas fashion. Bon, je vais la garder parce que j'ai pas testé, allez. Ça, je la mettrai quand je serai au camp, là je me ferai tout beau. Bon, est-ce qu'on ressort de cette auberge de malheur? De toute façon, on va pas rester là toute notre vie, hein. On a fait le tour. Allez, salut, ciao les boss. Attends, je récupère un tonneau d'huile. Hop, et je l'envoie au camp. Des trucs à looter si jamais vous voulez. Katox, il y avait des flèches qui étaient, je pense, pas mal. Des dragons qui étaient pas si chers. Ouais. Est-ce qu'on a déjà croisé des dragons? J'ai déjà un truc pour tuer des monstruosités, alors c'est bon. Bah, on en a croisé un l'autre jour, le dragon. Ah, est-ce qu'on s'est tapé avec le dragon? Et qu'il ouais. Paré, mais genre d'une force en mode YOLO. Ah, bah moi j'ai dit que j'allais repartir explorer, j'aurais pas exploré, hein. Je suis pas là pour enfiler des perles, j'aurais fait bijouterie. Y'a des trucs hein, qui qu'on peut explorer à côté de l'auberge. Bah, c'est surtout qu'il y a un truc qu'on a pas fini, fallait qu'on parle à Dame. Fallait qu'on parle à Matt Damon. À Damon? Yeah. À qui? Y'a Matt. Bah, y'a Matt Damon là. Y'a le martien qui est là. Pour lui parler. Merci. Qui est martien? Je sais pas, il y a marqué, on a une quête, il y a marqué parler à dame. Ah oui, mais ça, je lui ai parlé, mais y'a rien, à mon avis, faut avoir un compagnon particulier, non? Mais non, j'avais gardé pas, je suis un teuteux. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Ah, mais c'est toutes les armures que j'ai forgées avec le gars, peut-être, déjà, il y en a peut-être d'autres à faire, c'est ça? Ah, peut-être. Putain, je sais pas. Bon, du coup, oh, c'est sur les longs crêtes, on retrouve Katox. Ouais, allez. Mais qui c'est qui tire là? C'est eux hein, qui sont en train d'entraîner au tir. Ah, ok, putain, ça m'a fait peur. Et donc là, on a plus besoin d'avoir de lumière là? C'est bon? Non. Ça, c'est bien. Ah, ouais, c'était chiant. Il y a le cimetière du Mulmire là. Et quoi? Là, tu vas voir. Tu vas passer à côté, tu vas voir. Ah oh, là, je suis tellement content, ça y est, j'ai des dés de supériorité. Ah, mais tu les avais pas avant? Mais non, c'est au level 3 que je les récupère, c'est pour ça elle a passé level 8. Ça va faire vite de les récupérer. Oui, y'a un coffre. Oui, y'a un coffre. Ouais. Arrête de bouger. Putain. Hein, quoi? Oh, mais non. Mais si. Quoi? Oh, je viens de faire 30 pour ouvrir le coffre, voilà. Quand je balance Guidance, en gros, et que je me suis servi de Hunter's Mark sur quelqu'un, et que je peux le recast, en gros c'est en concentration, donc si j'utilise un sort de concentration entre les deux, ça me fait perdre la marque du chasseur. Ah, oh, c'est nul.
Attends, on peut pas sauter direct en haut? Mais je sais pas moi. C'est trop haut. Ah non, c'est bon. Je sais pas pourquoi je peux sauter comme ça maintenant, mais je... J'accepte. T'as pas un truc qui augmente ta... Sans aucun doute. Oui. Dans tous les trucs que j'ai chopé à gauche à droite, sans doute qu'il y a quelque chose qui me permet de le faire. Tu peux courir 40 mètres, tu peux sauter 120 mètres. J'ai gagné un truc pour avoir de... Ah ouais? Ouais. Parfait, merci. T'as quand même blindé exploré par ici. Ouais, y'a de quoi regarder. Hein. Bah écoute, j'aime beaucoup moins cette zone que celle d'avant. Ouais, c'est un peu plus oppressant quoi. Pas le même délire. Hein. Ah, y'a un truc là-bas, y'a une porte. Là, ça fait quand même une longue zone où on n'a pas croisé Allons, un mot. Non, là, ça, c'est fini là. Ouais, on est d'accord. Ouais, comme ça au moins on est sûr d'avoir fini ce point. D'accord. Ah, c'est un peu le principe du jeu d'exploration quoi, c'est... Non mais je suis d'accord, non. Tout va bien. En train de tout... Ah bah c'est... Accès au tréfonds obscur. Ah bah c'est en fait, ouais, ça c'est l'Underdark. Bah c'était... si on était passé par l'Underdark, on serait arrivé ici. On n'aurait pas eu le temple... On a fait avec mal. D'accord. Je comprends. Ah, journal d'un autre. J'ai quoi dedans? Je t'avoue, à partir du moment où c'est une gueule de plante, je regarde même plus que ça. Hein. je fais clic droit, envoyer à Ardarine, et puis fin. Y'a même pas de réflexion, y'a pas de. Ouais, j'allume les trucs. Et un journal par terre, tu l'as pris Un journal par terre, il est caché où? Journal de Drimor. Bon bah, on fait le tour. Corrompu sans espoir de retour. Et attends, et tu vas rire, il manque 3 fois rien pour passer le niveau là. Il me manque 42 XP, une inspiration et c'est bon. Il me manque 142. 152 par ici. Qui dit mieux? Mieux. Voilà. Moi je suis déjà le 8. Oui, ben ça va, moi au moins je dépasse le maître. Allez, ah bah, let's go. ça dépend de quelle mesure tu prends. Hein. Je pense qu'en largeur je les dépasse aussi. Tu connais la légende du nain à 3 jambes? Eh ben c'est pas une légende. Classe. Classe. Enfin. Là. Ah ouais, ok, d'accord. Je vais essayer. Oh, il y a un cadenas blanc dans le vide. Quoi? Balle. Quand des terres perverties par les ombres. Quelque chose. Ah, des mobs. Baston là-bas. Du coup de l'XP. Chargé. J'avance. J'ai pas compris, mais j'avance. Bah, y'a personne dans ce campement. Par contre, y'a une tombe. Ah, on peut piller la tombe. Y'avait rien dedans. Je suis hyper déçu. Je suis déçu, sa mère. Ah bah c'est les vêtements, ça vaut de l'être. Il y a des cadavres. Ah oh oh. Ouh. Ménestrel. Brille vif le ménestrel. Alors, journal de ménestrel. 16 PO. Arda, je t'ai envoyé un parchemin. Nous écumons le secteur pour tenter de découvrir jusqu'où s'étend la corruption. Les ruines à l'est de l'ultime lueur sont en véritable coupe-gorge truffée d'ombre aussi épaisse qu'agressive. Et il y a aussi cette étrange maison sur la butte un peu plus loin. De prime abord, elle a l'air inhabitée, mais des voix s'en élèvent régulièrement. L'un des nôtres prétend avoir entendu des rires d'enfants et aperçu des guerriers Gitianki en approche. C'est sans doute son imagination qui joue des tours, tant les environs sont lugubres. Il y a un délire là. Ah, il y a un gars. Corbeau, café. Oh, attends, vas-y. Il s'appelle celui qui fut. Attends, il y a un coffre. Bon, attends, je vais parler à celui qui fut. Oh, j'ai fait que 15. Laissez-moi parler à celui qui fut. Ah, c'est en train de parler là. Well, I see your guilt. C'est mieux.
And I have met few who stand so tall and fearless in the face of the unknown. Be on your way, brave soul. Ah, moi je dis ça, c'est un candidat à la mort. Perhaps this one could assist us. Ouais, j'ai entendu quelqu'un qui dit qu'on peut tuer des gens. The murdered lie silent. The raven asks, will you be their voice? Est-ce que je peux être la voix des morts? Moi je looterai bien le cadavre. Forgive me. It has been some time since I spoke to another. This woman tended a bar where she took her patrons, her friends, into her confidence. Promised their secrets were safe with her. Yet she turned their words into knives and stabbed them in the back. They died because of her. And to this day, her victims lie unavenged. Ouais, ouais. Des cuirs moustaches. Death is not the end, merely another beginning. Mm-hmm. I seek a record of this one's crimes, written in her own hand. Through it, I can summon her spirit and force her to face trial for her crimes. Oh, il va peut-être pas mourir alors. Not for one such as I. Il va définitivement pas mourir. Sparks with justice, with fortitude. This is your chance to bring a murderer to justice, to avenge her victims. Will you take it? Allez, allez. I thank you. As to those who died by her words, go to the distillery, the one she calls the Waning Moon. Find the ledger and bring it to me. Quoi, c'est tout ? Ça va, ça a l'air facile. Putain, m'attendais à un truc un peu plus. C'est bien, c'est que du coup, le temps de. Plus là-haut ? Effectivement. Putain, Eh, je trouve une clé. Ce journal intime. J'adore lire le journal intime. J'ai besoin de repos, je vais m'en sortir. Mais au cas où il m'arriverait malheur, ce journal retracera mon histoire. Oh, y'a quoi ? La malédiction s'est abattue sur nous. La plupart ont pris la fuite, à commencer par Ron. De mon côté, j'avais passé trop de temps à faire mon trou dans les tranchées de cette ville pour me résigner à tout abandonner. J'ai chargé ce que je pouvais dans ma charrette à bras. J'ai pris la route à mon tour. Malgré tout, le barda que je me traîne, j'entrevois enfin le bout du tunnel. Cette saleté de charrette a lâché, mais je touche au but. Plus qu'une dernière halte, le temps de souffler un peu et de raconter ce qui m'est arrivé. Et elle n'est jamais... Sort. Pourquoi ? Qu'est-ce à dire que ceci ? C'est-à-dire que j'ai une arme spécialement pour Rock, j'ai pas sorti une seule fois. Bah écoutez, c'est le combat. Hein. Ah, c'est encore un moine qui était marché là où il fallait pas. Alors, pas du tout. Là où était Arda, j'ai fait un jet de perception raté et Arda aussi. Et du coup, on s'est fait embusquer. Ah bah attendez, on peut pas. Ah non, on est à Beta Oshnok, mais quand même dans le fight. Ouais, je. Ouais, parce qu'on est sur B. Alors. Ah. Ah. Bonjour. Bon, est-ce que leurs loots sont importants? Mais non, mais on peut les tèche sans les foutre dans le vide. Tiens, je vous les renvoie. Ça fume, ça fume. Oh, c'est vrai. Est-ce que tu vas terminer le lire malade perverti par les ondes machin là ? On va peut-être garder qui ça à côté de moi. En fait. Moi je peux plus jouer, moi. J'ai tout mis là. Oh, moi aussi, hein, j'ai joué mon tour donc tu peux le tuer hein, si tu veux celui à trouver. Oh là là, mais pourquoi ? Parce que quand t'en tues un, il explose. Ah ouais? Et vu que ça te pète les autres en chaîne, c'est. Ouais, moi, t'as pas.
Oui, on a tous pris un niveau, je pense. Ouais, j'ai pris un niveau en blessant Arda, c'est le meilleur niveau du monde. Bolossage. Tellement cher. Alors on en a eu tous, je crois. Ah oui, c'est vrai que tu as vraiment pris la Turbo Max. Ouais. Alors je vais me prendre une petite potion. J'ai plus de grosse potion. Non. Est-ce que je peux pas le... Ouais. Pourquoi je peux pas boire? Ah mais c'est les petits qui explosent. Ah attends, je peux faire ça. Ah oui. Ah mais je suis mort en fait. Bah du coup c'est peut-être pour ça que tu peux pas boire. Ça non, c'est bon, c'est... Il t'a revivu, il t'a revivu. J'ai un peu la flemme de buter au cac là. Vous pouvez taper ou pas vous... Non. Y'a pas plus de cas d'action là. Ah, que... Non moi j'ai... Moi j'ai qu'une attaque pour le moment. Je joue de la musique. Non, je... Il y en a un littéralement. Ouais, c'est pour ça que je suis en train d'essayer de lui taper dessus. Mais. Mm-hmm. C'est pas vrai. Et. Alors. Rapprochez-vous, je vais utiliser la petite amulette. Attends, je suis passé. C'est bon. Du coup, bon. Tu nous as fait quoi? Je vous ai soigné. Ah, oh, c'est gentil. Allez, niveau passage 9. De niveau, ça va être bien. Ce sera sans doute la fin de l'épisode. Non. Non. Je sais pas, on n'a pas commencé à 40. Non, 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 ça fait que 37 minutes là qu'on y est, t'inquiète. Vas-y, je passe à son niveau. Les aptitudes de classe, je peux apprendre deux sorts. Oh, un sort de niveau 4 supplémentaire. Et j'ai un nouveau don disponible. Oh. Alors, qu'est-ce que je peux apprendre? Je peux bannir. Tu vois, après vérification, je ne peux donc pas prendre armure médium, armure lourde, moyenne armure, tous ces trucs comme ça. Après c'est un peu normal, ça serait quand même ultra pété que tu puisses. Mais c'est vrai que c'est embêtant parce que les bottes et les gants tu pourras pas faire autre que les trucs de base quoi. Oh, enfin, j'ai un bouclier de feu. Ouais mais bon, bah, tant pis tu vois. J'ai une invisibilité suprême. Oh là là, c'est fumé tout ça là. Je sais pas si je prends pas le truc qui donne de... du wisdom. Oh, je peux faire une métamorphose, transforme une créature en mouton sans défense. Ouais, bien celle-là. Ah mais c'est vrai que oui, vous avez un feed vous. Oh j'hésite. Parce que le flétrissement là... Ça serait bien là. Est-ce qu'on fait une pause, le temps de choisir le level? Ouais, ouais, on peut faire un petit break. C'est fait. Allez, petite pause. Et on est de retour après avoir passé nos niveaux, pris nos sorts, fait des babioles ici et là. Ça n'a pas du tout pris 20 minutes. Non. Ça en a pris 40. Il y a un truc ici, mais je sais pas ce que c'est. On peut parler au petit gars. Encore? Je lui parle. Not back to glow, are you? No, I still think you might have tricked me. If you did, I'll figure it out.
Bien. D'accord. Bon bah voilà, c'est tout. C'était l'enfant dans la maison. Bon bah attends. On retourne à l'auberge de l'ultime lueur et on va au nord. C'est au nord, bien plus au nord. À chaque fois que vous TP avant, je clique sur vous, donc ça me TP pas, mais ça fait quand même un petit écro de charge. Vous êtes sûr qu'il y avait rien là? De quoi bah là-dedans, mais je vois rien de plus, moi. Non, c'est un. À mon avis, c'est un marqueur, parce que j'ai lu le livre qui annonçait qu'il fallait aller là après avoir fait la quête. Est-ce qu'on se ferait pas un petit peu de soin aussi, parce que. Moi, ça va. Je manque un peu les 3/5 de mes PV. Moi, je peux, mais je vais cramer tous mes spell slots de level 1 pour te soigner. Mais non, on met mes propos au sol. Non, mais on peut faire un petit reste aussi, on en a 3. Ah, je peux faire celui de Bard. Ah non. Eh, pourquoi je peux pas? Pourtant, on avait fait un long rest. C'est vrai. C'est bizarre. Il désarme les pieds. Bah, petit repos court. Ouais, je suis. Excellent. Vous voyez pas les bombes? Si, mais. Tu passes à côté? Ouais, qu'est-ce que. J'ai dit tu passes à côté. Tu évites pas les pièges. J'ai dit tu passes à côté. Honnêtement, je sais pas pourquoi on a pas pris de dommage. Ah, je sais pas, j'avais Arcane Ward si vous voulez. Ouais. Il y a des tombes. Il va aller tout piller. Ouais. Allez. Ah, ils en ont pas besoin. C'est sûr que là où ils vont pas. Ah, comme là. Il y a un succès, putain. Un jet de perception. Où c'est? De toute façon, le jet de perception, c'est pour creuser. Elle est où la peine? Non, c'est un jet de nature pour creuser généralement, non? Non, c'est perception. C'est survie, t'as raison. Bouclier de représailles. Hein quoi? Mais qui a refait hein? C'est Y qui est à côté de T, vas-y, ça putain, il a claqué. Putain. Eh, franchement, mais il est raccourci de ce jeu. Ouais, moi je l'ai rebind, je l'ai mis, je crois que je l'ai mis sur le point d'exclamation pour être sûr de pas. Non, c'est bon, j'ai mis Shift Y. Non, si c'est qu'une seule touche, tu sais, gazou, tu peux te planter, tu vois. Donc on vient de claquer un deuxième repos court pour rien, c'est ça? Exactement. Pour une mauvaise manipulation. Mais c'est parce que t'étais pas full fear, Arda. Qui c'est qui a fait la biscuit? Non mais, attends. Bah tiens, allez. C'est le deuxième épisode de la soirée, c'est que j'avais pas fait de bourde encore. Je pense qu'à un moment donné, il fallait que je fasse quelque chose, tu vois. C'est pas toi qui viens de passer dans les pièges par hasard? C'est pas toi qui a provoqué tous la deuxième bataille avec les tréants, c'est pas toi? Non. Non, même pas. Quand vous parlez, monsieur, c'est pas vrai. Non, il y a beaucoup là, quand même. J'ai raté de la survie là. Ça fait beaucoup quand même, non? Ah, je crois que j'ai trouvé. D'accord. Tu bosses pas vraiment dessus, mais d'accord. T'as vu, j'ai une pelle télescopique en fait. Attends, j'ai plus de peu. Élixir de poison, résistance nécrotique. Quoi, c'est tout? Du poison, toi, tu t'en sers ou pas sur tes armes? Non. Non. Bon ben, retour au champ de bataille en ténébré. C'était bien. C'était pas mal. Hop là, moi j'ai envoyé des trucs au camp. Y'a vraiment rien là, y'a un beau rocher avec de la lumière, y'a forcément un truc. Bah j'ai dit la même chose et en fait non. Mais y'a... Y'a de la lumière au loin. On est passé à côté du sous-sol de... Un sous-sol? Je vous rattrape. Hein. Oui, y'a un sous-sol. Bah, pour faire attention. Bah il est au sous-sol. Waouh. Ouais, je sais, j'ai un sens de réputation. Ah, franchement, non, parfois... De quoi tu parles? Ah, le sous-sol de la maison, tu veux dire? Oui. Bah, ouais, fait... c'est là où se trouve en général le sous. Ah, tu veux dire qu'il est sous le sol? Waouh. Ouais, non mais... Et tu veux dire que le rez-de-chaussée, il est au ras de la chaussée? Ouais. Ça va être plus 5, hein, mec. Oh, mec. Putain. Parfois, je me dis... La moitié des... C'est pas la moitié d'un trou de balle.
Ah, c'est une zone qui charge en plus. Attends, j'attends que tout le monde soit. Moi je suis déjà dedans. Moi. Il y a des trucs à piller. Ah, mais c'est en gros, c'est l'endroit des prisons quand tu fais des conneries quoi. Mais pas que. Comment ça, pas que? Bah, je vous laisse fouiller. Y'a un lit. Y'a de la diôle. Ça, jusque-là, ça va. J'ai raté un test de survie, il faut creuser quelque part. C'est vraiment genre survie. Ah, sortez les pelles. Vraiment ça, c'est vraiment ça, je trouve un coffre. Bon, 20 PO, c'est déjà ça. Y'a un truc là. Alors ouais. Je sais pas pourquoi j'ai réussi à ouvrir la porte, mais bon, j'ai ouvert la porte. Que bah t'as chopé la clé. Y'a un truc là dans le coin. Quoi dans le coin? Ah, je sais pas, sur la carte c'est bugué, y'a un truc, mais... Ouais, effectivement. Aïe! Ah voilà, c'est ça là, c'est le mur, on peut le péter. Non! Putain, je... Quand t'as dit non, je me suis dit, il va pas taper sur un tonneau. Et il y avait un tonneau. En plus, j'ai vu mon perso bouger, monter le mur et tout. J'ai spam clic à côté. Mais putain, de tonneau de merde! Pourquoi quand tu cliques sur un tonneau dans ce jeu, ça l'attaque auto? C'est de la merde! Je trouve que c'est fait exprès. Je trouve que c'est une des meilleures choses du jeu. C'est trop chiant! En plus, y'a que moi qui ai pris des dommages. Non, et on non, a non, plus non, de chance reste. Tu m'en as mis aussi dans la gueule. Hein. On a c'est verrouillé. À cause de l'autre débile. Là. Lequel? Toi-même? Bah c'est moi l'autre débile. Mais arrête de taper les portes. T'as rien fait la pauvre. Vous êtes passé où? Ah vous êtes là-dedans. C'est t'as pas entendu le gros boom? Tu vois, regarde. J'aurais pu. Ah non, j'ai rien entendu du tout. Moi j'étais en train de looter de l'alcool. Chacun son truc. Tu faisais le belge quoi. Suicidé. Tu sais que tu peux sauter dans le trou si t'as envie. Oui. Vas-y fais-le. Non. Non mais on peut discuter peut-être. Je suis con mais bah, voilà. Y'a un piège. Y'a un piège. Pourquoi tu... Tu sais que tu peux juste marcher hein. Sinon le on va trouver des rats dans les égouts. Des rats dans les égouts. Ouais. Des trolls dans les souterrains. Des rats d'égout lubrique. Ah c'est vrai que j'aurais vu une guidance. Oui, oh. J'ai pas la clé. C'est... Ah bah échec critique tiens, ouais, ça c'est... Ah non, pardon, excusez-moi. Succès réussite. Critique. Réussite critique, pardon. Ah le gars il tue. Un anneau... Ah non, c'est pour... C'est pour toi Katox, parce que t'es toujours allumé avec ta torche. Avec ton truc. Il y a déjà une ribambelle de trucs. Tiens, je t'ai envoyé là-dedans. Le porteur cause des dégâts de sort à la fin. J'ai vu du rouge. Ah ouais, mais... pas mal. J'ai entendu. Blip. Light or quoi? Fire is quoi? My friend. Qu'est-ce que c'est? Vispince. C'est quoi un Menlock? Alors, ils ont une aura de terreur pour potentiellement effrayer les humanoïdes et bêtes sauvages proches grâce à sa présence féerique. J'avoue que c'est une sale gueule, mais si ça c'est des faits, franchement, c'est chaud. Ils sont sensibles à la lumière. Vu leur tronche, ça m'étonne pas. Et ça, ouais. Je pense que c'est pété parce que des trucs sensibles à la lumière, quand tu mets des sorts de lumière, ça leur fait pas de dégâts ou ça les... Alors, cette créature subit un désavantage sur les jets d'attaque et les tests de perception qui dépendent de la vision si elle est dans la lumière. Bah, je vais essayer alors de balancer... Bah, à voir. Ouais. Mais bon, c'est un spell slot de level 3. Et quoi? Allô? C'est... Ah oui, attends. On est d'accord que là c'est quand même éclairé. Là oui. J'ai pas l'impression qu'ils aient des avantages. Mais il y a quand même quelqu'un qui est pas dans le combat là. Oui, c'est moi. Hein, c'est ce que je me disais.
Moi je suis lâche, je suis la nuit. Qu'est-ce que tu fous en Gitenki? Parce que j'ai mis l'épée Gitenki. Vas-y. Oh vas-y. Oh je vais lui faire un truc. Oh je vais lui faire du mal. Non. Oh non l'enfoiré. Putain au moment où j'ai. T'as fait peur? Bah non, c'est juste que vu qu'il a passé son tour à Temir, et ben l'ennemi s'est retourné, il m'a spot, donc j'ai pas pu faire mon attaque. C'est con? C'est con. Putain. Je voyais pas le Turn Order, moi je pouvais pas te dire à 9 FPS cette fois. T'avais l'air tellement hypé, je t'avoue, j'ai pas pu le dire. Putain, mais tu. Connerie sur connerie. Mais il pouvait pas savoir. Ah, tu l'as fait exprès? Là, j'ai fait exprès. C'était totalement fait exprès. Oh, c'est pas cool. Ah. Rien pour la peine, tu vois. Attends, je peux pas te mettre dans le château. Je suis dedans, moi. Non, mais ils sont nuls, on va les défoncer, c'est pas grave, tu vois. Alors... Oui, c'est vrai, ils ont juste 50 PV. Mais oui, mais bon, tu vas lancer. Il y aura personne, voilà. Ah, si je lance une boule de feu, là vous êtes pris dedans. Hein. Mais non, il suffit de tirer à côté. Regarde, ouais, il en a du VR. Personne l'avait tapé, il a du bon. Ah, mais je pense que je joue comme ça. Hein. Je vais me déguiser en Gitenki et je vais me servir de l'épée à deux mains parce qu'elle est aussi. Oh, tu vois, t'es au corps à corps. Ah, un petit chien. Mais ça tombe bien, je l'ai pris. Oh, pop. T'as pris le feat du chien? Non, j'ai pris le bouclier de feu qui est un sort. Ah. Mais bon, si Katox. Oui, mais minute, parce qu'en fait, je cherche mon saut, mais il est ressorti de mes barres, c'est chiant. Il est là. Je sais pas pourquoi, il arrête pas de s'enlever. Et je ne peux pas le faire. Ok, d'accord, on s'en bat les steaks. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire faire lui? Ah ouais, c'est le film. Mais. Dommage. T'as des avantages, ok. C'est quand même dommage hein, parce que le combat se passe là où il n'y a pas la lumière. Bah si là où on est y'a la. Putain, je suis immobilisé, ouais. Effrayé, qu'est-ce que je fous que... Hop dégage, hop voilà. Raté, super, allez dégage. Tout ça pour ça. Ah oh, vas-y viens. C'est Kadash. Ah mais ils sont vachement loin. Je suis effrayé. T'es Misty Step hein, tu seras plus effrayé. Bonjour. Ah, je suis effrayé. T'as pas des avantages? Qu'est-ce qu'il nous prépare? Sort de feu, mais lequel? Oh la Gatling quoi. Oh t'as mis tout le monde mais... Et par contre t'as lancé plein d'éclairs. C'est nul. Non c'est parce que quand t'es effrayé t'as des avantages sur tes jets d'attaque. Et c'est un jet d'attaque magique Scorching Rise. C'est mais ouais ça. Mais c'est nul. Ah bah oui je... Pourquoi j'ai pas d'action là? C'est quoi le concept? Quand t'es effrayé, t'as pas d'action, genre. Ah, t'as dû louper ton jet de. Ouais, j'ai pas d'action. Hein. Je te laisse celui d'à côté, je vais taper celui plus loin. Oh, ouais, tu peux le buter si tu veux. Hein. Je le finis et. Ouais, vas-y. Finis-le. Ouais. Tu marches pas loin, toi, c'est ça, Mineur? Hein bah là je pense que je vais sauter ou vu qu'on a eu plein de chance reste je vais pouvoir Misty Step je crois. Ok bon vas-y je vais bloquer le passage à celui qui est à côté d'Arda.
Ok. J'avais même pas vu qu'il y en avait un là. Oui, effectivement, plein milieu de la lumière. Là, ils sont en bright daylight là. Faut pas dire. Oh non, vas-y, c'est de la. Ah, et t'as save, bien joué. Ah, là, il est prod. Bon, allez. Jusque là ça va. Paralysé, effrayé. Paralysé, effrayé. Ok, okay. Bon c'est bon, la prochaine fois, bon ben. Je pense que l'équipe d'intervention va pas arriver. Hein. Oh, c'est vrai que j'ai plus de Misty Step. C'est toi qui as mon amulette. Hein? Bah tu sais l'amulette que t'as qui te donne Misty Step. Ouais, bah là j'ai pas pu l'équiper parce que j'ai pas changé la miette qui m'a permis de tout soigner gratos. Ah oui. Après, si tu veux, je te la rends, mais bon, j'attends. Oh là, non, tout va bien. Maintenant que je peux lancer hâte dans les vrais combats. Oh là, c'est vrai. Là. Il est ce spell en vrai. En vrai, c'est stylé les magiciens. Ah, surtout qu'avec tous les objets que tu peux récupérer, le cantrip à la fin il peut faire des dégâts de zinzin. Bah ouais, tu peux faire plus de 40 points de dégâts avec juste une petite, un petit cantrip. Bon. Bah là, je fais 2 à 20, je fais 2 des 10. Pas de feu. Ah, mais quand tu seras. Si je me casse, il m'attaque. Ah, mais il est full life en plus. Ah ouais. Après, je vais doser moi celui qui est en face de moi, ou je mysticep directement pour aller filer un coup de main à Katox. Hein. Tu. Je sais pas, je vais voir si je peux passer. Je vais voir. C'est quoi ça? Ça, c'est une action bonus, ça, c'est une réaction. Bon, allez, les gars, plus que 11 300 XP pour passer au niveau. Tranquille, ça va le faire. C'est vrai que ça, c'est une action et une action bonus. Voilà, ça, c'est trop. Vas-y, on va se dire. Encore que. Si on va là. Tu peux quand même passer la lumière là aussi. Oui, largement. Mais je pense que déjà, il faudra que je finisse celui qui est au cap de moi parce que sinon il va. Ça casse les genoux. J'ai un pixel trop court, j'ai envie de crever. Non vraiment, genre c'est affligeant quoi. C'est vraiment affligeant. Bah il est. Je peux lui tirer dessus. Je te dis genre c'est affligeant. C'est affligeant de tristesse. La distance qu'il y avait entre eux. C'est bien, je te l'aurais tiré, il aurait pété autant de couacs et tout. Attends, celui qui est en face de moi, ouais, il a déjà joué. Celui qui est en face de toi, il s'est levé et c'est tout. Ouais, bah, alors ouais, je te le laisse. Ouais, je m'en charge. Tu peux pas la relancer. Non. Après je consomme pas. Ah yes, c'est bon. Je vais peut-être lui refaire un trait de feu juste pour l'emmerder. Et ce qui est bien c'est juste que les dead manœuvres du Battle Master quand tu misses, ça les consomme pas et ça c'est bien. Oh je pensais pas que je l'aurais et je lui ai fait 22 pile poil ce qu'il fallait, c'est excellent. J'ai raté mon coup, j'étais paralysé et je joue et paralysé. Oui, j'ai vu ça. Bon. Pas que je l'aurais. Je pense que. C'est ces espèces de sauterelles là. Je pense que non, il va revenir en Warlock, tu vois. Le mélange des deux, je pense vraiment que le mélange des deux ça peut être cool. Hein. Ça. Parce que le Warlock c'est pareil, t'as pas des masses de sorts. Ouais, mais t'as Eldritch Blast que tu peux pimper. Comme jamais quoi.
Enfin, moi, c'est surtout le Hex qui met des désavantages dans la caractéristique de ton choix. Je trouve ça mais tellement. C'est stylé cette capuche là. Quoi? Bah, le mob là, il a une capuche. Elle est pas... Ouais, pour un fufu, c'est pas mal. Ouais. On a gagné de l'XP les gens. Bon bah je récupère le casque parce qu'il était encore par terre. Ah ouais, moi je les aime bien ces mobs. Voilà. Belle tête. J'avais bien aimé cette. Ah bah y'a un deuxième mur fissuré juste là en fait. Ah et les bouteilles d'eau si jamais moi je les récupère comme ça quand on se servira de sort de foudre on pourra bouiller les adversaires. Tiens Arda. Ouais bon. Je vais t'envoyer une quantité de. Y'a un bouquin de prière ici, je sais pas si tu l'as lu Arda. Un bouquin de prière? Oui, ouais. Il y a des pop. Ah non c'est bon. May the gods take you first. Je l'ai. Ouais, je l'ai... J'arrive pas à cliquer dessus. Bah attends, je récupère, je te l'envoie. Ok. Mais bon, un bouquin de prière, c'est pas bon. Plus pour toi. Ça c'est bon, je te donne le livre. T'as trop peur, c'est ça? Non, c'est pour le RP, j'imagine toi, tu sais, dans la réalité. Le prêtre qui arrive, oh tiens, un bouquin. Ouais, c'est pour moi les livres. D'accord. Bon, attends, mon personnage, un peu. Putain, c'est pas coupé, j'avais absolument pas vu quoi. Deux. Mais quand j'inspectais, tu sais, j'inspectais un moment un peu quelques pièces. Et j'ai c'est absolument pas vu la porte dérobée sur le côté. Parce que t'as l'étoile d'araignée en gros, c'est, bah oui, c'est ça. La porte. C'est ça, tu vois l'étoile d'araignée, tu vois pas la porte. Ah bah là pour le coup, c'est. Ah, t'es bien, il m'a surpris parce que justement, moi je suis passé par ici, tu vois, j'étais en train de bouger les caisses et je l'ai même pas fait exprès de bouger la caisse. Et j'ai vu l'étoile d'araignée, je me suis dit, bon, je tente la boule de feu et j'ai vu la porte, je te dis, ouais. Bah en fait, c'est surtout que quand j'étais dans la cellule, la carte elle a glitché en fait. Putain, mais en fait, c'est. Dans la carte la diagonale. Mais c'est pour ça que t'as un coffre en plein milieu du truc avec des merdes dedans en fait. C'est vraiment pour que ton attention soit aspirée sur le coffre et que tu dis c'est bon, j'ai fait le tour et je me casse. Tiens, le level. Fait, tada, le level design, le gars, il m'a bien eu. Je m'avoue vaincu. Ouais. Y'a plus rien. Ou alors s'il y a des trucs cachés dans la zone cachée, alors là, boah. Et pour le coup, on peut peut-être s'arrêter là maintenant. Allez. On fait. Ouais. Et bah j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Des bisous. Ciao. À plus.